prophète est venu à point nommé dans la jungle savane. Par l'appui de leur partenaire financier, Saïdé, ils sont venus ouvrir l'esprit de nos sœurs, de nos femmes, de nos mères. Parce que avant, la femme ne connaissait pas ses droits. Il y avait seulement le devoir qu'elle accomplit partout où elle est. Alors aujourd'hui, depuis que Refaid est né, Refaid a fait tout pour faire comprendre de manière pacifique le rôle de la femme. Et Refaid a fait tout pour lutter contre la violence basée sur le genre. Et entre-temps, tout de suite, je parlais du genre. Les gens croyaient seulement que lorsqu'on parle du genre, c'est le sexe féminin. Ah non, le genre, c'est y compris toutes les catégories de personnes. Je vais parler de personnes vivant avec le handicap, sur le plan religieux, sur le plan sexuel. Tout cela, c'est le genre. Vous allez comprendre que lorsqu'on parle du genre, dans la vie de chaque jour que Dieu crée, lorsque tu n'es pas, par exemple, musulman dans un milieu donné, vous êtes vu de côté. C'est vice-versa. Vous n'êtes pas chrétien quelque part, vous êtes mal vu. Donc aujourd'hui, le fait d'être venu nous expliquer l'importance du droit de la femme. Les gens croient qu'il y a des travaux pour la fille et des travaux pour le garçon. Non, j'ai dit non. Aujourd'hui, il y a égalité du genre. C'est pour ça que vous allez voir dans l'armée, dans les services administratifs, surtout dans l'armée. Avant, on ne savait pas qu'une fille peut être militaire, peut être policière, peut être gendarme. Mais aujourd'hui, force est de constater que dans l'armée, dans les forces armées togolaises même, la preuve, je m'en vais pour preuve. Il y a un ou deux ans de cela, mais c'est une fille qui a parachuté devant le président de la République, parachuté les deux pieds sur terre. Donc c'est pour dire que franchement, Refaid fait un bon travail. Fait un bon travail dans la région. Et vous savez, les femmes de la région avaient entre-temps peur. Et si je fais ça, ça va gâter le foyer. Si je fais cela, je m'en vais me plaindre auprès de l'action sociale, auprès du maire. Mon mari va me renvoyer. Aujourd'hui, c'est une peu ça. Tout se fait de manière pacifique. Et je crois que, comme j'ai l'habitude de le dire, aucune œuvre n'est parfaite. Et le début de toute chose aussi est compliqué, est difficile. C'est pour cela, nous, les mères, nous sommes là pour appuyer, pour prendre le relais. C'était mon intervention. Pour prendre le relais de Refaid, pour vraiment travailler. Et qu'après projet, j'ai toujours dit ça, et qu'après projet, que cela ne soit pas un déluge, qu'il y ait une continuité, qu'il y ait une continuité, et qui va continuer, c'est nous, les élus locaux, qui allons continuer ça. Pour que, franchement, demain qui est meilleur, pour qu'il y ait vraiment un bon résultat, pour qu'il y ait le lendemain meilleur. Donc, pour cela, une fois encore, je ne ferai que remercier beaucoup Refaid. Avec le partenaire financier qui est USAID. Une fois encore, merci.